Bon, tu as mis tout dans la valise ici. Tout, les jouets oui, sont oui, là. Hein. Bon. Est-ce que tout le monde a mis ses pantoufles là-dedans? Tout le monde a mis ses souliers? Et à l'endroit? Oui, oui, c'est bien. Bon. Oui, ça va. Le tennis aussi. Ça, c'est moi. Ouais. Va chercher les sous aussi. Alors, ça, vous avez... c'est pour dans la voiture. Ça, c'est pour lire dans la voiture. Hein, les livres. Ça, on va laisser On va mettre ça ici, tiens, en attendant. Voilà. Ça peut rester à côté de moi si nous besoin d'un biscuit dans la voiture ou quelque chose. Oui, d'accord. Mais alors, enfin, mets ça par ici aussi. Ah, enfin, je casse. Attends. Mettre ça ici. En attendant. Oui, vous cartes. Le jeu de cartes pour si vous avez envie de jouer dans la voiture aussi. Oui, bon, ça c'est quand même. Maintenant, est-ce que, avec le temps qu'il fait, ça doit vendre. Ah, mon parapluie. Ton parapluie. Je cherche un peu ton parapluie. Enfin, voilà. C'est ça ici. Est-ce qu'il y a encore quelque chose en haut, chérie? Plus rien? Non. Ça me semble. J'ai pris ton livre. Bon, attends, je vais où sont mes clés maintenant? Temps de partir en week-end, monsieur? Ben, oui. On va essayer d'un peu se défouler, mais avec le temps qu'il fait, mon Dieu. Enfin, peut-être qu'à la mer, il fera meilleur. Hein. Oui. Vous savez, il y a une chose dont on parle beaucoup maintenant, la qualité de la vie. Ça veut dire, bon, ce qui est important, c'est plus tellement la quantité de ce qu'on consomme. Je parle pas simplement de la nourriture, hein, mais de ce qu'on consomme en loisirs, en culture. Oui. Hein? Mais aussi la qualité. Et puis, on va essayer d'avoir un week-end de qualité, hein? On va essayer de faire ça relax, de, hein, on va passer un, on ne passe pas souvent des week-ends, nous ne partons pas tous les week-ends en, en congé, enfin, hein, partons pas tous les week-ends, alors on va essayer de passer celui-ci en qualité, comme vous dites. Et vous ne partez pas toujours en week-end parce que vous avez des traites de fin de mois, si Ah, mais c'est exactement ça, hein. Cette fois-ci, on s'est dit, zut, on part en week-end, on nous a donné un petit chalet là-bas, j'espère que c'est bien, on verra, hein, on va pas dépenser des sommes folles, on va essayer. Mais enfin, on perd, tant pis, on fait un petit effort. Pour les gosses aussi, hein, c'est une expérience. Bien. C'est une expérience, hein, on va essayer de faire, on va voir ce que ça donne. Hein. Bon, les enfants, oui, dis, chérie, écoute, oui, mettez vos vêtements, c'est ça, mettez vos vêtements. Je vois que t'as pris tes casseroles avec, oui, on sait jamais ce qu'il y a là. Oui, chérie, mais tu crois que c'est gay, oui? Ah oui, l'appareil photo, le lit, et ça c'est quoi, sont tes couverts? Oui. C'est lourd. Attention les enfants. C'est qu'on est pris. C'est comme ça, c'est lourd. Dis, on dirait qu'on part pour un an. Mais c'est terminé maintenant. Qu'est-ce qui a tapé sur... Karine, pourquoi tu pleures? Parce que je les ai récoltés toujours sur les... Mais regardez un peu, les deux petits, hein, ils ont trois fois autant de place que les deux grands. Allez les deux petits, bougez-vous un peu. Allez, le grand là, bon, ça va, c'est bien maintenant. Je vais vous donner les livres, hein, et vous n'allez pas vous disputer, hein, parce que maintenant j'en ai marre, hein. Si vous disputez encore une claque à chacun, c'est bien, hein, aux parents, et Kent, il faudrait tout de même rester. Allez, on va s'entendre, les gosses. Ok. Allez, c'est pour qui celui-là? C'est Nathalie qui a pris ça, hein, bon. Celui-là, voilà. Et celui-là aussi. Ça, c'était Eric? Lequel? Celui-là? Oh oui, c'était Eric qui l'avait pris, c'est juste, tu sais, Karine. Ça, c'était Karine. Ça, c'était Karine, allez. Oui, tu en avais deux, Eric, voilà, celui-là, regarde. Oh, que c'est gay, les week-ends avec vous. Écoutez, on part en week-end, on se dispute pas ce week-end, ok? C'est prêté sans soldat. Ouais, ouais, que t'es gentil. Toi aussi, hein, Eric, tout le monde va être gentil. Allez, chouette, alors. Oh, c'est ok? On se dispute plus, c'est fini pour le week-end. On se dispute plus avant lundi soir, hein, c'est bien. C'est même grave, hein? Oui? Voilà. Voilà. On est parti, les enfants! Ok. On est parti pour la mer, hein? Ah oui. Hé hé! Maman, on fait pas tout ça! Maman! Une gaufre? Tu veux la donner une gaufre? On n'est pas encore tout à fait sur l'autostop. Enfin oui, je vais t'aller dans le ringo, forcément c'est bon. Essayez de ne pas faire des saloperies dans la voiture, hein. Mangez proprement, hein, dites. Monsieur, non mais je roule pas trop vite, mais si tu veux.
Hier, moi, ça, il a une voiture du tonnerre, là, et c'est un escargot. C'est incroyable, hein. Ça sert à rien de t'énerver pour les 5 minutes qu'on va arriver plus tôt, tu ben sais. Non, mais bien sûr, j'ai, mais enfin, il faut tout de même tenir une moyenne, hein. Il, on ne vient pas avec une voiture. Il a une voiture 2000 et il fait du 40 à l'heure sur l'autostrade. Après, bon, quelle importance est-ce que ça peut bien avoir? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce que ça peut me faire, c'est que quand je dois le dépasser, chaque fois, je prends un risque. Michel. Il pourrait tout de même faire du 40 à l'heure. Alors, on dit que parce qu'on roule trop vite. Des accidents, mais ce sont des gens comme ça qui font faire des accidents. Pas juste? Oui, Michel. Quoi, t'es... Oui, Michel. Je vois bien que t'es pas d'accord avec moi, tu sais. Non, je suis pas d'accord. Ça va, mes enfants? Nathalie et Eric, vous avez fini? Ouais, ne vous disputez pas, s'il vous plaît. Hein? Ça bon. Suffit, hein, maintenant. Ah, je suis curieux de voir ce bungalow. Tu vois pas? Oui. Un bungalow, ça doit être bien, hein, d'après ce qu'il explique, il est bien là-bas, lui. Hein? Oui. C'est gentil de nous l'avoir prêté, hein? Je me demande si les gosses sont bien. Ah ben, d'après lui, il y a même deux chambres à coucher, dit. Oui, bien sûr. Et une salle à manger, qui dit. Oui. Bon, non, mais je crois que ça doit être bien, tu sais. Alors, il va y avoir l'aération là autour. Il y aura sûrement pour les gosses jouer là dans ce camp-là, ou quelque chose comme ça. Quoi? Bon, d'ailleurs, il faudrait... Hein? Si, hein? S'il fait beau. Ben oui, s'il fait beau. Évidemment, ça, c'est toujours la question. Mais enfin... S'il fait pas beau, on a pris des jeux aussi avec eux. Hein. Et on sait toujours faire tout de même un petit tour à la digue ou quoi. Ben, je crois que ce sera bien. D'après ce qu'il explique, c'est un beau petit bungalow. Hein. Hey, un qui est en panne. Oui. Je croyais que c'était déjà les gendarmes qui commençaient. Enfin, jusque maintenant, on n'a pas vu. Hein. Non. Bien. Oui, oui. Vous avez fini, Nathalie et Eric. Attention, ici, c'est sur une banque. Oh, ça y est, des noms de gens. On n'a pas encore fait 20 km, qu'on est... Regarde-moi, il fait quel bouchon, toi, là-bas. Mais ils l'ont annoncé à la radio, Michel. Ben oui, mais écoute. Ça, ils l'avaient annoncé. Franchement, hein, ça ici, tu sais, regarde, tu vas pas me dire qu'ils auraient pas pu élargir, à quoi ça sert? On s'est même roulé là-dessus. Pourquoi ça? Oh là 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 là, ça y est, tu sais. Attention, hein, parce qu'il y en a un qui... Oui, tu appelles la petite cloque, chérie, ouais, petite cloque. Ah, voilà. Quel pays. Regarde-moi ça maintenant. Eric, c'est quoi? C'est ça, c'est une petite guerre. Merci, petit, petit, il y a plus d'une heure et demie qu'on est parti, dit. Et on a fait 40 km seulement. C'est incroyable. 40 km sur une heure et demie. Ça fait... C'est ça, hier, le temps de perdre un petit week-end. Une demi-journée, aller-retour. Une demi-journée, certainement. Aller-retour, on perd plus d'une demi-journée. Heureusement que c'est un week-end de 3 jours, mais faire ça pour 2 jours, hein, tu passes une demi-journée pour faire 100 km aller-retour. T'as 6 heures sur l'autostrade. C'est pas parfois 7 heures, ça fait presque un jour. C'est chaud, hein. Avant d'arriver à la mer, je crois que j'ai vous avoir tous les quatre une bonne tripotée pour vous remettre les idées en place. Arrête, ça va arrête avec ça. Vous allez comprendre maintenant. Tous les quatre, oui. Oh, de Dios. C'est amusant pour personne d'être si longtemps sur la route. Hein? Allez, lisez encore un peu un bouquin ou quoi. Eric, tu as fini avec ce truc. Avec qu'est-ce qui t'a occupé? Ça va, c'est fini. Hein? Ça va. Allez, on y est presque, les enfants. Il n'y a plus que 14 km. Et la route est dégagée. On ne mettra plus une heure et demie, vous savez, pour en faire 20. Là, maintenant que je m'y retrouve dans le chemin, enfant, parce que c'est tout mis en flamand, hein. Le vendredi, on part à 5 heures. On passe 2-3 heures sur la route, en se disant quelquefois même des gros mots. Hein?
puis l'accueil qui n'est pas toujours très chaleureux, je parle pas de la température. Ah. Alors évidemment, on arrive là-bas. Souvent, il ne fait pas bon. On mange, en général, pas très bien. Les sauces ressemblent depuis la côte française jusqu'à la côte néerlandaise. Alors, ce sont les mêmes têtes, les mêmes grimaces, les mêmes petits réflexes. Le petit bonjour un peu qui est très faible le premier jour. Le lendemain, on dit déjà un petit bonjour plus grand. Le soir, on le passe à s'ennuyer. On regarde la télévision. On regarde souvent la télévision ou bien on joue d'interminables parties de cartes. Alors, le lendemain matin, c'est le réveil. C'est rare de voir quelqu'un qui se promène déjà à 7 ou à 8 heures quand il fait bon et qu'il n'y a personne. En général, les gens sortent vers 9h, 9h30, timidement. Il y en a un, puis deux, puis on voit la digue qui se remplit. Alors, que font-ils? Un peu de lèche-vitrine, et puis on va d'un bout à l'autre, on va, on vient, on prend un verre, on dîne, et on essaye enfin de passer son temps, et on attend, en somme, déjà le jour du retour. C'est un peu ça. C'est un peu une visite, on peut presque dire que c'est une visite forcée. Ça va, ça vient, ça fait passer le temps, ça fait passer la vie. Ben, peut-être, il y a des gens qui ont besoin de remplir le temps de cette façon-là. Mais ça manque un peu d'enthousiasme, ça manque de joie de vivre, quoi. Belle chambre pour vous. Ici, mais ça c'est bien. La seule chose, c'est que pour aller dans ta cuisine, tu dois sortir chaque fois chaud. Oh. Oui. Viens, Fawel. Ouais. Non, tu ne passes pas par ici. Oh, c'est rigolo, hein? C'est bien. Il y a ta pique comme chez nous. En tout cas, c'est joli l'intérieur, comment? Attends, non, je crois. C'est rien, chérie, c'est rien. Là, tu sais que c'est plus facile à fermer qu'à ouvrir, hein? Tu sais, on peut pas faire ça ce soir. Viens, ouvre d'abord comme ça. Voilà, c'est ça. On a trouvé le truc, hein. Il n'y a plus qu'à se mettre dessus maintenant. Voilà. Voilà. Ah, ce truc-là, là. Ce truc-là ne ferme pas, on ne l'ouvre pas du coup. On y va? Oui, mais on va laisser le lit là, comme on ça. On va débarrasser la voiture, s'il te plaît. Mais je... Bon, et où tu vas mettre les choses quand tu laisses? On va refermer le lit, le mettre dans le coin pour pouvoir passer avec le... Enfin, ouais. Mais mon Dieu, vous êtes pas bien. Eh bien, ça sont vos livres que vous avez voulu prendre, vos jouets, tout le truc. Toi, tu vas aller cueillir des fleurs. Et comme ça, tu nous fous la paix, hein. On a un peu la tranquillité. Mais il va cueillir des pissenlits, cueille pas autre chose, hein, dis. On va mettre les choses déjouées comme ça. Il y a deux. Mais oui, je vous l'oublierai. Après, c'est pas pour de suite, hein. On peut laisser ça comme ça en attendant, hein. Ok. Mes enfants, si jamais vous devez revenir, je vais vous montrer le nom de la rue, hein. Venez voir. Nathalie, viens. C'est pas bon, Fabiola. Ah, mais toi, tu le sais déjà. Ouais. Ouais, on le sait. Parce que le tir, je devais ramener. Mais si jamais, écoutez, si jamais vous perdez dans le camp, vous savez que vous êtes à Fabiola. Hein. On peut aller. Oui, mais pas maintenant, hein, tantôt. Hein, mais vous savez que vous êtes à Fabiola. Hein. Tu peux pas là-bas, les dunes. Et la mer est derrière. Oui, on entend jusqu'ici quand on fait pas de bruit. Oui, silence. Non, on entend des cris. On entend le bruit du camp sorti, ça, mais ça cloue un peu, mais... Viens Nathalie, tu entends de l'eau? T'as une bonne oreille, toi, c'est... Oui, oui, oui.
Voor water te hebben. Voor drinken, hè? Drinkwarmwater. Ja, dat is het. Dat is ook potable. Dat was. Dank u. Nou, c'est pas grave. Ah bon, donc c'est à l'extérieur. Ah, c'est ça. L'eau à l'extérieur est potable et l'eau à l'intérieur, c'est l'eau de pluie. Ça va. Non, non, à l'extérieur, donc d'eau, hein. À l'extérieur. L'eau est potable. L'eau est potable. Ça va, merci, hein. C'est bien. C'est bien par les flamands, hein, vous. Ah, ils doivent même bosser, hein. Comme bon Brussel, hein, voilà. Vous, à Brussel. Mon Dieu. Ne dites pas que c'est l'eau d'ici, hein. Ben, les gens aiment bien. Les gens aiment bien. Résidence secondaire, hein. Oui. Eh bien, pour un week-end comme ça, ça va, mes résidences secondaires, non merci. Hein. Franchement, je sais pas moi. C'est une fois marrant pour les gosses, hein, pour, ouais. Ça, pour passer un week-end. Ouais. Mais si je devais venir tous les week-ends ici et qu'il faudrait avoir du linge et tout ça, ouais. Ça va pas. Hein. Ouais, c'est pas. Vous comprenez pas ça que les gens qui habitent dans des grands buildings modernes, ils aiment parfois de retrouver un peu la nature comme ça. Oui, mais je pense qu'il reste comme nature ici. Allez, honnêtement, non, franchement. La nature... Allez. Oui, bon, d'accord, moi, je ne sais pas, hein, mais chacun a son idée à ce sujet-là. Mais pour moi, la nature, c'est quelque chose même de plus propre, de plus frais. Si vous appelez le ruisseau la nature ici, hein, moi, j'appelle pas ça la nature, hein, dites. Vous appelez ça la nature? Oui, mais enfin, le petit employé de bureau, disons, il... Il se sent un peu plus libre, quoi, ici. Oui, question de liberté, mais enfin, il y aurait moyen d'entretenir ça autrement aussi, alors, hein. Non, hein. Oui. Il y a ça de beau, très bien, c'est qu'à la mer, il pleut. Une fois que ça arrête... C'est fini, c'est sec. Tandis que dans les Ardennes, c'est tout le contraire. Alors je préfère être ici. Ici, quand il pleut plus, quoi. Ah non. Et puis c'est vite sec, c'est du sable, hein. Ça te prend l'eau, hein. Mais nous aimons quand même bien camping. Tant que je suis ici, je suis bien. Je n'ai rien à foutre que de tripoter, que d'arranger mon petit jardin, d'entretenir mon petit bazar. Peindre, faire n'importe quoi. Et j'ai le bon air, c'est l'essentiel, c'est le bon air. Comment vous l'avez appelé, votre résidence secondaire? Mon rêve. C'était mon rêve. Et c'est encore mon rêve. Jusque la mort. Ça va? Ben ça va, vous-même. Ça va. Un peu froid, hein? Vous êtes bien habillé, vous, là, hein? Moi, j'ai pas mis des choses assez solides, hein? Moi, quand je viens à la merde, hein, je m'habille en conséquence. Vous avez raison. Ça a l'air bien gentil chez vous, ici. Oui, hein. Vous voulez l'acheter? Vous venez de pas voir, hein. Qu'est-ce que vous payez comme loyer, d'abord, ici? 4500 francs par an. On n'est pas trop cher, ça, hein. Elle a l'air d'être bien entretenue. Ah, on fait une fois voir? On fait de son mieux, mais je vous en prie. Merci. Attention à l'élastique. Ah, oui. Voilà. Madame. Oui, monsieur. Ça va, monsieur? Oui, oui, hein. Mais on va dîner, hein. Je vous en prie. Rien, ça fait rien. Venez voir. Et ça vous plaît, ici, oui? Ah oui, très bien. Marche bien la TV, ici? Oui, il marche bien. Et vous passez vos soirées en regardant la TV, alors? Tiens donc. Et encore bon après-midi. Et l'après-midi aussi? Ben oui. Pourquoi venez à la mer, alors? Ben parce que je suis ici pour voir le bon air. Oui, mais en regardant votre TV, moi, je sais pas, moi... Et vos culottes brûlent! Et ma porte n'est pas ouverte. J'ai le bon air. Vous laissez la porte ouverte. Oui, d'accord. Venez. Ah, mais c'est bien gentil ici, monsieur. Ah, évidemment, c'est déjà beaucoup. Voilà mon intérieur. C'est beaucoup plus propre d'où je viens. Et ça sent vos lits sans doute. Alors vous ouvrez ça. C'est-à-dire, voilà mon lit. Ah bon, il se rabat alors. Il se rabat. C'est un lit qui se rabat, c'est ça. J'enlève les coussins ici. Oui, si nous sommes quatre personnes, je baisse la table sur les deux petits longerons qu'il y a là. Je prends les deux coussins, je les mets là. Oui. Je fais mon rideau. C'est deux personnes qui doivent dormir là, de là et deux. Et alors là, et deux ici. C'est ça. Il y a 24 ans que je suis ici. Hein. Ah, il y a 24 ans vous êtes ici. Il y a 24 ans que je viens camper. Mais quel âge avez-vous donc? J'ai 66 ans. Ah, ben félicitations.
Il n'y a pas 24 ans, vous êtes pensionné tout de même. Non. Vous venez passer vos week-ends ici. Je viens passer tous mes week-ends. Passer tous vos week-ends, c'est ça. Mais depuis 24 ans. Karine, on t'a dit de ne pas encore boire. Attendez, Zo. Viens. Comme ça, maman va déjà la rouler. T'as compris? Et mange proprement. Hein. Comment tu fais? Tire ton doigt de ta bouche, tu ne reçois pas de crêpe. Enfin. Quel vent, hein? On entend vraiment le vent qui... Tu le sens, oui. Non, mais il y a du vent, c'est grave. C'est bien, ma chérie. Voilà. Et tu attends maintenant les autres, hein, mon chéri? C'est très bien. Alors, où voulez-vous aller? Vous n'allez pas faire 500 km en voiture avec des enfants? Ben, non. La mer intéresse tous les enfants, mais... Et le père de famille, lui, ça l'ennuie, finalement, assez souvent, quoi. Oh, oui, ça... Disons que ça le fatigue, hein. Heureusement, il a... Quand il rentre le lundi, il peut se reposer. Non, sérieusement. Non, mais c'est vrai. Tout qu'on fait, c'est un autre genre de fatigue ici. Hein. Moi, s'occuper des gosses pendant tout un week-end. Moi, je plains les femmes. Hein. On dit qu'elles ne travaillent pas, mais quand elles ont 4-5 gosses, là, s'occuper de la moutarde, moi, je les plains. Mais non, chérie, mais c'est vrai, tu sais. Pour une fois, j'ai un mot favorable à ton égard, mais c'est vrai. Non, merci. C'est dur, les week-ends, là. Le week-end, oui. C'est terrible. Tout qu'on fait, c'est plus des week-ends, hein, c'est plus reposant. Hein, courir, aller avec les enfants. Je ne dis pas quand il fait beau, mais alors... ou bien il faut avoir beaucoup d'argent. D'accord. C'est pas ça, hein. Mais si tu avais une petite maisonnette, bien propre, bien accueillante, etc., avec une petite cave... Hein? Une petite maison, comme dans l'idée des gens, la maison de campagne. La maison de campagne, ça dégénère en baraquement et en appartement, et tu te retrouves comme à Bruxelles. Vous n'avez pas l'impression que les gens sont un peu victimes quand même d'un système comme ça, où on leur impose l'idée que pour être quelqu'un de bien, il faut partir en week-end. Ah, on fait un peu minable quand on reste chez soi. Il faut prendre des vacances au Balears maintenant. Ah, mais oui, mais ça... À Torremolinos. Ah, mais nous sommes... Mais c'est sûr, ça nous faisons minable. Moi, j'entends ça avec les enfants, avec... Ah, mon copain était là, ils ont fait ci, ils ont fait là. À l'école, ils nous... doivent raconter leur week-end. Ou bien, les professeurs parfois demandent raconter le week-end. Moi, je comprends. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont à raconter? Ils sont restés à la maison. Cette fois-ci, ils auront quelque chose à raconter. Mais on est des minables vis-à-vis, peut-être, de certaines personnes. Mais... Moi, je dirais que certaines de ces personnes sont les esclaves de ce qu'on appellera la société. Et ils dépendent du standing, du camp, dira-t-on, etc. Moi, je crois qu'il y a des gens qui perdent par obligation. Ça, c'est certain, mais enfin, je trouve ça idiot. Hein. Si on écrit vacances avec une majuscule, c'est dans le fond qu'on en fait en somme l'antithèse du restant de l'année. Or, il faut être content, je crois, tous les jours. Les vacances, ce n'est pas un havre de repos ou de paix. C'est quelque chose qui est normal, quoi. Moi, quand je me lève le matin et que je suis de bonne humeur, je me sens en vacances tous les jours. Je n'ai pas besoin de faire... la joie, ce n'est pas quelque chose qui se fait à date fixe. Et je crois que pour les vacances, c'est pareil.
que vous pouvez imaginer qu'il y ait des gens qui décomptent les semaines ou les jours, oui, qui les séparent des vacances ou du week-end? Ben, je comprends que quand c'est un soldat qui fait son service militaire, qu'il fasse de petites barres et qu'il barre un trait chaque jour, ça je comprends. Mais il y a des gens qui barrent leur calendrier et qui attendent anxieusement presque le jour des vacances. Pourquoi? Je sais pas. C'est parce qu'ils pensent peut-être, comme ils s'ennuient souvent pendant toute l'année, ils croient que pendant les vacances, ils vont peut-être s'ennuyer moins. Et moi, je constate de plus en plus qu'ils s'ennuient peut-être encore plus. Ils savent pas remplir le temps. À la maison, ils ont la télévision, mais quand ils n'ont pas ici, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Ben, ils sont un peu désaxés, je crois. Parce que les gens sont malgré tout conditionnés par des tas de choses qui n'en valent pas toujours la peine. On a remarqué que ils sont obligés de redécouvrir la conversation maintenant. Ils se sentent à l'aise en ne faisant rien ou en ne parlant pas. C'est ça. Ils ont trouvé leur propre excuse, hein. Ils ont leur excuse d'avance. Mais ici, dans leur chalet, ils c'est allaient... plus difficile ici, hein. Ici, on... dans le fond, on se regarde dans un miroir, hein. Et ça n'est pas toujours très beau, hein. Dans le miroir de l'épouse ou du mari. Oui, bien sûr. Il y a des face-à-face qui sont terribles. Hein? Mais j'ai pas fait exprès de renverser le vin, non? Papi, tu veux quelque chose? Tu veux un peu de vin, chérie? Oui, non, tu veux du café? Ça va t'aider à surmonter toutes les difficultés du camping, oui, chérie. En fait, je prendrais bien du vin, tiens. Oui, alors moi, dans quoi je vais boire, moi, dans ton truc à café? Je vais faire un peu de la récupération, tiens, je vais mettre du... Oui, du lait, non. Bon. Ça va aller? Oui, chérie. Oh. Mais écoute, je croyais qu'il n'y avait plus rien dedans. Allez, donne-moi quelque chose pour frotter, donne-moi une serviette ou quoi. Merci, chérie. Et tes enfants, ils vont bientôt te pour oui, dormir, hein? On va fermer, hein. On va même mieux à la maison, hein. On a tout ce qu'on a. Hein? Tout est prévu ici. Mais je mets ça dans le bac, moi ça m'énerve. C'est déjà tellement l'un sur l'autre et tout ça. Comment vous êtes, mieux à la... vous êtes mieux à la maison? Il n'y a pas de comparaison. Non, franchement. Je fais du camping. Ouais. Dans ces conditions aussi, du camping, c'est vraiment... Ouais. Vous ne voulez pas dire qu'il faudrait être loufoque pour le faire, mais tout de même, hein, tous les week-ends. Disons que les gens qui le font doivent avoir une certaine dose de courage ou bien, je sais pas, peut-être que... Mais à deux, c'est déjà plus faisable. À deux, c'est plus faisable, j'imagine. Écoute, hein, tu peux dire... À deux, si tu as un lit de deux personnes, là, sans problème. Pour une fois rigoler. Mais allez, tu vas pas dire que tu sais... Je n'ai pas dit que je fais ça tous les week-ends. Oui, mais est-ce que tu te sens vraiment bien à l'aise, hein? Moi, je... Écoute, hein, j'ouvrirai une fenêtre, n'importe quoi, mais quelque chose... Mais où? Un peu d'espace. Oui, je peux ouvrir la porte. Bah, vous allez avoir froid. Mais oui, c'est ça. Non, écoute, c'est pour quelqu'un qui souffre de claustrophobie, hein. Toute la semaine dans une tour et puis dans un bazar, pareil, crois-moi, tu sais. Ce qu'il y a aussi, hein, c'est que pendant la semaine, au fond, c'est la femme qui élève les enfants. Hein. Tandis que pendant le week-end, vous les avez tous les deux sur le dos, quoi. Tous les deux? Oui. Elle... Ah, il les a à proprement parler sur le dos, il les porte parfois dans la journée, ça c'est vrai, mais sinon, bah... Mais mille tonnerres, qu'est-ce que t'as encore l'air d'insinuer? Mais bon... Oui, bien sûr, je sais, c'est toi qui les lave, c'est toi qui les déshabille, c'est toi qui les habille. Et moi, je ne t'aide pas. Tu joues avec ça. Moi, je joue avec. Eh bien, c'est drôlement crevant aussi de jouer avec, tu sais. Parce que, hein? Oui, oui. Ah, bon. N'inculpe pas. Il faut quand même reconnaître que c'est la femme qui a la charge des enfants pendant la semaine. Pendant la semaine? Ah, ça fait pas long d'un doute. Ça fait pas long d'un doute. Tous les soirs, moi, je leur donne le bain. Mais enfin... Quoi? Oh! Tous... Écoute, chérie, avant je le faisais pas, mais maintenant est-ce que je donne pas tous les soirs le bain aux enfants? Cette semaine-ci? Oh non, depuis bien plus longtemps, quand j'ai pas de coup de fil, de gens qui me taisent. Quoi? Tu oses dire que... Oh, allez, oui, bon, allez. Disons que t'as... Oui, c'est toi qui leur donne à manger. Oui, c'est vrai, c'est toi qui fais tout. Non, allez, sérieusement. Allez. Pas sérieusement. Je te donne pas un bon coup de main ces derniers temps? Il y a une semaine. Mais il n'y a pas une semaine. Il y a combien de temps que je reste à la maison et que je sors presque plus? Même pour mes affaires, pour mes réunions et tout ça. Mais Michel, il y a une semaine seulement que tu les laves parce qu'on est pressé et que j'ai travaillé beaucoup plus. Les autres fois, je ne les aide pas. Eh bien, alors, tu dois me le faire remarquer.
Tu sais, un homme, c'est comme ça. Hein. Si tu lui dis pas, eh bien, bon, c'est à toi de me le dire plus souvent. Hein. Mais tu reconnais que j'ai encore du boulot le soir quand je rentre chez moi à la maison. Hein. Ah oui, c'est vraiment, je chôme. Quand je rentre, je m'assieds dans un fauteuil, je suis relax. J'ai pas dit que tu chômais. Mais si, c'est ce que... Mais non, tu t'occupes des enfants, bien sûr, c'est un fait évident. Mais moi, je suis occupé à les laver, écoute-toi bien, puis ça, cette semaine. Je suis occupé à les laver, et puis, ring, ça y est, on téléphone. Bon, je dois sauter au téléphone, et alors, quoi, c'est vrai ou pas? Oui. Et les devoirs? Tu fais les calculs et je fais les français. Eh bien, c'est pas mal, mais donc, je fais quelque chose. Depuis une semaine. Oh, mais tu sais, quand toi, tu as quelque chose dans la tête, hein, tu y tiens une semaine, ça n'est pas vrai. Absolument pas. Bon, enfin, écoute, il est un fait que c'est ma femme qui fait beaucoup plus. Ça, je reconnais. Attention, hein, chérie, je ne voudrais pas avoir... être à ta place, hein. Je préfère pourquoi faire le bout. Non, maintenant, tu charries, hein. Pas. Écoute, non, je reconnais que... Mais non, je ne voudrais pas être à ta place. Parce qu'écoute, quand j'ai passé un week-end avec les gosses, pour moi, je suis content. Hein. Parce que... Mais dites, c'est peut-être ça qui est bon dans le week-end, c'est que... Pour une fois, les époux qui se voient très peu en semaine peuvent se parler. Exact. Hein? C'est pour ça que moi, je comprends pas les gens qui mettent leur télévision ou je ne sais tout quoi dans leur cabane, enfin. Tant que ça s'est mis à parler, c'est rien. Mais je trouve que ça pose des problèmes aussi de se retrouver. Parce que, en fait, on est tellement peu habitués que... on se cogne, on sait plus quoi faire. On se cogne, j'ai l'habitude de m'organiser toute seule, de me débrouiller seule avec les enfants. Et bien, quand il est là, ben, il est un peu trop même. Oui. Enfin, tu as ta manière de t'organiser, quoi. Mais non, mais c'est vrai. Mais alors, on a tellement peu l'habitude d'être ensemble que quand on est ensemble, c'est tout drôle. Tous les six, ma chère. Une fois. Oui, eh bien, tu peux continuer. Dites, ça va, là, vous autres, il faut vous aider. Au fond, quand vous n'avez pas la télé le soir, vous ne savez plus très bien quoi faire. Non. Ah non, ça c'est pas vrai, hein, chérie. Quoi? Combien de fois je t'ai demandé de jouer à un jeu avec moi? Mais tu sais bien que j'aime pas jouer à un jeu. Mais ici on en joue. Mais ici on en joue. Bien sûr. Ah, oui. Ben voilà. Mais c'est quand je suis à la maison, j'ai des livres, j'ai éventuellement mon crochet, j'ai des petites choses. Fort agréable, une femme qui lit, qui crochette. Tu me fais penser à quoi ces femmes-là ils font des dentelles. Là, mais... Écoute, tu sais, je fais ça quand je suis pas là, hein, crocheter. Voilà. Bon, alors. 3 et 3. Tous les trois. Vas-y, ma chérie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Enfin, chérie. Ça viendra, c'est l'émancipation de la femme. Est-ce que toi, tu ne sais pas quoi faire? Écoute, moi, je suis tout heureux de faire un jeu avec toi. Oui, Michel, d'accord. Mais après une journée de bureau, après avoir tapé à la machine, après avoir réfléchi à l'orthographe, après ceci et cela, quand il faut encore commencer à taper la tête sur un jeu, moi, ça ne m'intéresse pas. Ben je oui. Me délasse beaucoup mieux en lisant, en écoutant de la musique. Toi, tu te délasses en jouant, en lisant, en écoutant de la musique, en crochetant. Et moi, je me délasse en regardant la TV ou en lisant. Et quand je commence à lire un livre qui m'intéresse, comme je suis occupé à lire d'ailleurs maintenant, qu'est-ce que tu dis? Moi, je ne sais comme pas m'arrêter. Je ne sais pas t'arrêter. C'est ça. Je suis enfin, excessif dans tout. Je veux dire que les loisirs, ben, je ne sais pas moi. Dans mon entourage, les loisirs, qu'est-ce qu'ils font samedi et dimanche? Ils vont rendre visite à grand-mère et à tante et à machin et à tout. Ouais, mais ça, c'est... C'est ça, leurs loisirs. Si vraiment tout ça était fait en fonction du bonheur des gens, ça devrait être fait autrement. C'est en fonction de ce que les autres peuvent ramasser. C'est vrai, enfin. Soyons... Hein, t'es pas d'accord avec moi? Ils ont commercialisé ça au maximum. Voilà, c'est bien. Commercialisé, il n'y a plus quoi, rien d'humain. Mauvais, ben, ils exploitent le mauvais temps. Oh, papa, il faut que tu viennes. Oui, le gauche, c'est ton frein, chérie. Le gauche, c'est le frein. Oui. Et ça, c'est l'accélérateur. Et ça, c'est l'accélérateur. Ah, ton frein, tu as déjà 10 fois dessus. Enfin, tu dois bien voir ce qu'est l'accélérateur et le frein. Mais je ne sais pas. Ne prends pas l'un pour l'autre. C'est pas la seule freine, chérie, freine. Oui, mais j'ai freiné. Maintenant, t'as écrasé le type. Attends.
Oui, ça j'ai. 5 francs, voilà. Allez, maintenant, là... oui, c'est le dernier, hein. C'est ça que vous peignez là-bas? Non, non, non. Hein, je suis perpendiculaire à ce que je fais. Ah, c'est ça, oui, oui, oui. Ce qui est là-bas. Oui. Mais c'est... Ah oui, je vois, oui. Et le petit piquet, du bleu, du jaune, un petit trait noir, ça donne la vie, la couleur. Ça donne une impression de... Hein? Oui. Ah, il faut la grandeur et en même temps le petit d'espace. Côté, de, des petites plages comme ça, oui, un peu oui, abandonné un peu, hein? Moi, je me plais bien ici. Moi, je m'amuse. Moi, je suis content. Ça me change. Il n'y a personne. Mais oui, oui, quand il y a personne. D'accord. Mais bien quand même. Si vous aviez des gosses, j'irais vous promener qu'est-ce ici. Que les gens viennent chercher dans le fond ici. Quoi? Ah oui, la tranquillité. Dans là, le je fond, suis ils viennent. Ah oui, on vient. Ils veulent s'échapper de quelque chose. De quoi? D'eux-mêmes ou bien de ce qui les entoure? De la ville ou je ne sais pas moi? D'eux-mêmes, je crois. Veut s'échapper de même, non? Oui, je crois que c'est assez juste. Hein? On cherche à se défouler, à ne plus être dans le même milieu que dans lequel on se trouve. Enfin, ça vous allez n'importe où. Hein? Je ne sais pas si c'est une nécessité absolue. Monsieur. Quelquefois, on est chez soi, on a toute une journée à soi, on prend une vieille boîte, on regarde de vieilles photos, des trucs, on s'amuse. C'est beau. Voilà une agréable après-midi. Pourquoi c'est exact. Filer sur la route et courir après. Ah, parlez-en, hein? Parlez-en. J'ai courir pensé... derrière une chose qu'on n'attrape pas. Les gens se fuient. Se fuient. Se quittent eux-mêmes. Ils se fuient c'est un peu. Hein? Bon, on commence à 9h, on finit à midi, on termine à 6h. Il y a une espèce de petite rengaine qui se fait. Et c'est un peu ça que les gens... Et puis on fait beaucoup de réclames hein, pour toutes ces choses. Alors les gens vont, ils veulent aller en. Nous, on fait de la réclame. Il n'y a rien à soleil, faire. Hein. Oui, mais. C'est la réclame avec des il n'y a soleil, pas hein. Un jour de congé, tout le monde doit partir. C'est ça que rien vous disiez, monsieur Demarais, la commercialisation de tout, hein, l'autre jour. Oui. C'est ça. Hein. Oui, parce qu'un week-end c'est avec ça. Un temps c'est pareil, ça revient cher avec ça. Les gosses. Hein. Ouais, quand vous voyez les gens, ils sont quand même là. Moi, je me dis, je vais tout seul ici. Eh bien, on est déjà deux. Hein. Mais il y a des milliers de voitures ici. Je me demande bien où ils sont. Ben oui, où là, sont les là, gens, là, là. Oui, les, sont gens, les, gens hein, les gens, ils jouent aux cartes, quoi, comme ils auraient joué aux cartes à Bruxelles. Comment, là, ils regardent la télévision. Ouais. Ils sont dans le cinéma. Je sais pas moi ce qu'ils font. On n'irait pas boire un verre? Ah. Hein? Hein? Vous êtes bruxellois, hein? Oui. Bien, mais Bruxelles. Ah, c'est pas beaucoup, hein? Ah, bah oui, mais on peut en boire plusieurs, hein. Il faut boire hein? Le verre de l'amitié, le hein? Verre de la rencontre. Ça fait oh, deux. Ça hein? Fait deux, oui. D'accord. Et le prochain coup, quand on suit, ça peut faire. Ah, si tu as une deuxième maison, qu'est-ce que ça coûte? Oh, oui, ça, je préfère pas y penser, moi, hein. C'est très bien, alors il faut... C'est important pour le standing. Hein. Oui, oui, mais l'anatomie du hareng sort. Oui, oui. Pendant ça... 15 jours ou pendant un an, et puis on va se payer, on va un peu dans sa maison. Oui, oui, mais là, je et puis il faut tondre les pelouses tous les samedis, tous les dimanches. Oui, la corvée, quoi. Je veux bien que l'homme revienne à ce geste primitif. Il va casser du bois, etc.
Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller le casser à Ouen ou à Waterloo ou à Utiplouk? C'est très juste. On peut le casser chez soi aussi. Hein. Ah oui, c'est très juste. Regardez, la flamme est aussi importante, hein, non? Très juste, bien. Moi, je non, crois quand même, moi. Vous êtes un homme plein de bon sens, moi. C'est une excellente rencontre. Non, moi, ça. Moi, je suis content de vous avoir rencontré. Eh bien, moi aussi, franchement, parce que j'aime entendre parler ainsi. Ça remet un peu les choses à leur place, là. Hein? Ça serait intéressant. On a peur de mettre les choses à leur place, souvent. Eh bien, il est temps qu'il y ait quelqu'un... Et pas toujours par pudeur, hein. Non, par snobisme, hein. Par voilà. Snobisme, très juste. On est parti, on pourra commencer à se comprendre. Voilà. C'est bien, c'est très sympathique. Et c'est vrai, moi je dis que vous dites des choses plein de bon sens. Je dis pas ça, mais je le crois. Non, ça n'est pas encore l'avenue, mais... Non, mais on s'est trompé de chemin, dit. C'est par là qu'on aurait dû aller. Attends un peu, parce que je m'y retrouve pas ici dedans, moi. C'est tellement... Tout se ressemble. Il n'y a pas encore assez de place. Ça doit être par là, je crois, oui. Hein? Ça... Mais c'est pas par... Si, c'est par là. Tiens. Hein? Bon. Des plaques. Mais non, mais ça se ressemble tellement. Hein. C'est aussi infect partout. Attention, hein, parce que... Non. Pourriez-vous croire directement au bord de la mer? Ah, ça c'est beau, hein. Ouais. Ça c'est beau. Ouais. Ça c'est... Bon, Dieu, bon. Regarde-moi ça. Ils sont chez eux, hein, oui, ça leur appartient. C'est ça. Il y a des gens, du moment qu'ils ont 10 mètres carrés, ils mettent un fil de fer autour. Ouais, et on achète un petit chien qui est dangereux. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est comme avec ça. Plaque, on aime bien tout. Ouais. Ouais. On fait son petit monde. Hein? C'est un homme courageux, l'enfant. Hein? Oui. C'est vrai. Bien. On va y aller parce que je crois que ma femme nous attend. Enfin, m'attend. Oui. Je vais te présenter. Eh bien, je vais être content de faire sa connaissance. Ah. Regardez, Fagnon est ici. T'as vu? Fanny. Ouais. Ah ouais. À vendre. Oui, il y a beaucoup à vendre beaucoup par ici. Vendre, oui, oui. Hein? Il y a beaucoup à vendre. Pour moi, il y a une nouvelle autoroute qui va alors, par ici. Hein? Paris qui vont faire un bassin. Non, parce que moi, building, c'est par ici, tiens. Mmh. Je vais te montrer l'avenue Fabio, là. L'avenue Fabio. Oui, oui, oui. Et voilà. C'est ce qu'on appelle notre c'est avenue. C'est ici? Oui. Chez vous? Bah, chez nous, disons que c'est... Hein? Oui, oui. Enfin, c'est votre résidence secondaire, mon cher. C'est pour ça? Une fois, hein? Ah, ouais, bon, voyez, voilà. Et voilà. Je n'appellerai pas ça mon rêve. Non. Bon. Je me permets de te précéder. Viens. Il n'y a pas de sonnette. Excuse. Hein. Vas-y. Ah, je suis là. Vas-y. Voilà, je te présente ma femme, monsieur Raymond, artiste peintre que j'ai rencontré. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, les enfants. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, monsieur. Où sont les deux autres? Nathalie et Karine. Ils sont là. Ah, bonjour. Dites bonjour à monsieur. Voilà Nathalie. Okay. Et voilà Karine. Ça, c'est ma plus petite. Hein. Prends place, une minute. Oui, prenez place, monsieur. Vous oui, débarrassez-vous d'abord. C'est vrai, moi, j'ai dit prendre place. Oui, ça, c'est un, on est un peu à l'étroit. Hein. C'est rien, rien. Voilà. Alors, nous n'avons pas de vestiaire, nous mettrons ça sur le lit. Hein? Ben, c'est très bien. Oui, oui. Ça va, petite fille? On peut plus qu'on en six, mais enfin, ça va. Maman, ça va. Vous voulez que je vous mette là? Vous serez plus à l'aise? Oui, 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 oui. On va bientôt manger? Mais ils n'ont pas bon lit. Ben, ils vont bientôt aller au lit, hein, tout de même, il est l'heure. Oui, si tu veux. Ça n'a pas été trop dur avec toi. Moi, j'ai été un peu sur la plage avec... Ben, j'ai un peu sué, oui. Oui, hein, parce que c'est pas gay pour toi. Hein. Non, ça, c'est vrai, ça, c'est... La femme ici avec ses gosses dans ce petit réduit, sont là. Elle, c'est pas marrant. Hein. C'était pas marrant. Maintenant, ils ont dû rester ici tout le temps, tourner autour de cette table. Et l'enfant, vous êtes loin de la mer ici. Hein. Quand même, assez bien. Même hein. Si je ne peux pas les laisser jouer même tranquillement dehors. Je suis même pas tranquille. Hein. Ah oui. Ça fait un quart d'heure, 20 minutes à pied hein, pour aller à la mer. Il y a un bon demi-kilomètre. Hein, et entendre parler la mer. Alors, et ce n'est pas encore l'endroit où on peut se baigner là. Ah non. Ah, non. Parce qu'ou bien il y a une interdiction, ou bien l'eau est polluée, ou bien il y a des larmes de fond. Mais j'ai discuté avec des gens, ils se plaisent ici. Ça, je ne sais pas. Ils se plaisent. Si.
Non, ils se plaisent. À moins que vous ayez me dit... Bon, moi, je veux bien que ce sont des snobs, hein. Je veux bien admettre ça. Pour quand ils retournent à Bruxelles. Mais pourquoi est-ce snob quand moi, je parle avec eux et que je vois la réalité des choses ici? Est-ce qu'alors, c'est parce qu'ils ont mauvaise conscience qu'ils diraient qu'ils se plaisent ici? Les enfants? Oui? Alors, il serait temps maintenant de mettre les jeux de côté. Hein? Allez, mettez les jeux de côté. Les jeux de côté, il est temps. Allez, dépêchez-vous. Allez, grouillez. Et yeah, ça y est, c'est que je dois faire sortir. Karine et Serge, allez, les jeux de côté, s'il vous plaît. Et on sait plus sortir, il fait froid. Hein. Oui, j'arrive. Le seau. Et après, je peux aller le vider, non? De genre, c'est, je te jure, du camping comme ça. Hein. Allez. Bon, mais il faut sortir pour chercher ce seau. Allez, les filles. Ah, vous pouvez sortir les seaux. Eric, non, allez, mettre de l'ordre. Je m'en fous. Mettez de l'ordre dans cette chambre, s'il vous plaît. Vous êtes pas bien, vous autres, non? Qui, eux? Eric et Nathalie, mettez de l'ordre dans votre chambre. Serge et Karine, mettez de l'ordre dans la vôtre. Nom de Dios, qu'est-ce que c'est que ça pour un cinéma? Regarde-moi ça. Allez, donne-moi ça. Allez. Allez, voilà, j'ai le seau, hein. Allez, ça fait ton pipi. Et moi? Toi aussi. Allez, vous avez pipi, oui. Attends, je vais aller faire ça là-bas. T'as vu pipi? Oui. Qu'est-ce qu'a foutu ces... Mais ils sont pas bien, les gosses, ils foutent les oreillers par terre. Mais oui, c'est maman. C'est maman qui a mis ça. Mon Dieu, j'ai rien dit alors, chérie, c'est rien, tu sais. Je m'excuse, hein, Raymond. C'est tellement petit que je ne sais pas où les mettre, alors je les ai mis par terre. Dieu, quelle histoire. C'est mince comme un anchois, moi. Oui, t'es mince comme un anchois, c'est comme moi, tu sais. Je dois encore te déranger, fille. Excuse-moi. C'est... Dans deux minutes, on met à toi, le temps de mettre un côté. Hein. De côté. Qu'est-ce qu'il y a? Du papier pour Karine. Mais, ouais, enfin, elle est mettre au lit, quoi. Tu m'as compris, quoi. Oui, du papier. Où est le papier? Mais enfin. Mais oui, moi aussi. Oui, il était. Ah, il est ici. Voilà, Karine, du papier, comme on dit. Et, mais, et les choses qui sont par terre, les draps de lit. Oh là là. C'est maman qui a fait ça. C'est aussi maman qui a fait ça. Non, c'est pas maman, il faut pas tout mettre sur le dos de maman. Hein. Je te jure, pour un cinéma dans ce bazar. Allez. Oui, oui, mais je m'excuse. Hein. Non, écoute. Mais non, tu es tout excusé, c'est pas ça. Moi, je t'ai pris pour un bon qui, que fait, je suis dit, voilà. Quel cirque, hein. Quel cirque. Mais ça, c'est mon relax, tu vois, quand je pars avec ma famille. Au revoir, fiston. Essaye de ne pas trop bouger. Dis, Serge. Tu dors par là, toi? Oui, parce que comme ça, s'il bouge, il tombe du lit. Si tu bouges, tu tombes en bas du lit, hein, c'est fiston. Prévenu, hein, t'es prévenu, hein, Eric. Et je viens pas te ramasser, hein. Et c'est haut ici, hein, c'est plus haut qu'à la maison, hein. Au revoir, Serge. Allez. Dormez bien, mes enfants. Dormez bien. Ok. Bonne nuit. Bonne nuit, les enfants. On va pas faire une petite prière, bon. C'est ce qu'on fait normalement, mon vieux. Oui. Je regrette. On fait ça à la maison, nous autres. Chaque soir? Chaque soir. Chaque soir. Et comment ça se passe? Protéger mon papa qui travaille, etc. Pourquoi pas? C'est vous le papa qui travaille? C'est moi. C'est moi le papa qui travaille. Et ma femme travaille deux fois plus que moi, quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne protège pas la maman qui travaille? Mais parce qu'on dit en français. C'est vrai? Non, mais tu as raison, chérie. C'est moi qui fais la prière avec les enfants généralement et que je trouve c'est drôle de dire protéger ma maman qui travaille. Je sais pas, mais quand moi je fais la prière avec eux, je dis toujours protéger notre maman et aider-la dans son travail. Ça, je dis. Et toi, tu le fais comme ça? Bah, faites-le, quoi. Non, mais c'est... nous, on le fait comme ça, tu sais. Bah, je te jure. Chacun a ses histoires, hein, mais nous, on le fait. Pourquoi pas? Pas l'oncle Alfred ou quoi? Non, l'oncle Alfred. Merci, mon Dieu. Merci pour la nourriture que vous nous avez donnée. Nous vous offrons toute notre joie et toute nos peines. Aidez-nous à être chaque jour meilleurs les uns envers les autres et protéger notre papa qui travaille. Et aidez notre maman à ne pas être trop fatiguée. Apprenez-nous à être gentils. Voilà. Au revoir. Au revoir, mes enfants. Faites des gros dodos. Chez les filles. Allez. Mon Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Chérie, comment ça commence avec toi? Merci, mon Dieu, pour cette journée que vous avez fait passer. Merci pour la bonne nourriture que vous nous avez donnée.
Aidez-nous à être tous les jours un peu plus gentils et un peu meilleurs. Aidez-nous à aimer les uns les autres. Aidez notre maman qui est fort fatiguée. Apprenez-nous à être gentils. Allez, on le fait, fils, l'esprit, amen. Allez, salut, hein, les gars. Salut. Dormez bien, hein. Ça va. C'est malin. Tu fermes le truc, là? Oui, tu l'as foutu en l'air. Mais non, c'est pas moi. Non, c'est moi. Oui, c'est moi. C'est peut-être une drôle de prière, hein. Mais c'est leur prière en pleine nature, je crois. C'est bien. Ouais, mais pas l'air fort croyant, vous, monsieur Coumans. Hein? Mais pas l'air fort croyant, vous. Hein? Bah, c'est mais chacun ses opinions, moi je respecte les opinions. Moi je crois en l'homme et en... Pour moi, la croyance n'est pas une chose limitée. Pour vous, je ne crois pas non plus. Hein? Mais non, bien sûr. Mais attention, hein. Là on peut commencer... Par exemple. On peut discuter, discuter jusque demain. Hein. Non, qu'est-ce qu'il y a derrière la vie, etc. On va pas mais commencer non, sur ce sujet-là. Moi, je vais vous dire mon avis de croyant. Hein. Mmh. Que vous soyez croyant, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez protestant, que vous soyez n'importe quoi, si vous êtes bon avec votre prochain, hein, eh bien, vous êtes sauvé. Amen. L'amour du prochain, c'est tout. Et il faut pas être c'est croyant. Très bien, hein, pour ça. Mais c'est très rare, ça. Mais ça, c'est, moi, mais c'est ça. Mais c'est très rare. Mais c'est ce qu'on essaie quand même de leur donner dans notre famille, chez nous. On se dit, mon Dieu, s'ils savent quand même plier les uns vis-à-vis des autres, s'ils savent être gentils, s'ils savent se faire un plaisir, s'ils savent nous aider, c'est quand même un apprentissage pour un la vie. Un plaisir qui leur coûte. Oui, parce que parfois mes parents m'ont dit des choses, et il y a certaines personnes qui m'ont dit des choses, mais il reste ce petit quelque chose. Et c'est ce petit quelque chose que je voudrais pouvoir donner à mes enfants. Qui prennent tout pour argent comptant ce que je leur dis ou ce que tu dis, ça, non. C'est utopique. On n'a hein. pas besoin. Ce n'est non, pas nécessaire. Non, parce que leur vie va être différente de la nôtre. Mais ce petit quelque chose. Cette petite étincelle. Là. C'est ça. Quand on touche la pierre, là, je ne sais pas mal, le vif argent, quand on frôle le vif argent, hein, c'est un peu ça. Hein. Oui, c'est juste. Eh bien, celui qui ne peut rien faire ça avec ses gosses, je crois qu'il a déjà réussi grosse partie de son boulot. Celui-là, il a gagné. Vis-à-vis des autres. À une max au son derrière. C'est même, pas une blague. Je considère pas que ma femme a une mais non, mais je parle pas de ta femme. Pas un taureau. Mais enfin, mais il faut être touché par ça. Ouais, ouais. C'est ça la chose. Être brûlé par quelqu'un. Mais on a encore beaucoup toi, des étudiants qui sont brûlés par des gens. Hein? Oui, mais minute, il ne faut pas le reprocher aux étudiants. Hein? Je le reproche aux profs. Hein? Aux profs et aux étudiants aussi. Non, parce que les étudiants... On n'a jamais que les professeurs qu'on mérite, mon cher. Oh non, non, ça c'est pas vrai. Si, ça, si. Ça, je regrette infiniment, je suis pas d'accord. Et ça, c'est le rôle du professeur. C'est le professeur qui doit toucher l'étudiant. Et c'est pas l'étudiant qui doit aider le professeur. C'est le professeur... Mais ici, on entre dans un domaine, mon vieux. Oui, on admet tout le monde. Voilà. Tiens, 50%, tu y vas. Eh bien, puis ils vont à l'université. Et oh, ouais, mais... Parle pas des universitaires. Oui, mais... Non, vas-y. Et alors? On admet tout et bon, c'est un événement par la base, mon vieux, qui se fait maintenant, tu le sais très bien. Et tout ce qu'on a vu ici aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de ça, mais c'est la même chose. Parce que le type qui vient passer ici un week-end dans un côte, hein, il faut le dire. Je t'ai accueilli dans c'est mon côte. C'est pas Zeut-Côte, hein? Oui. Ici c'est peut-être Nord-Côte, peu importe. Eh bien, ce type-là, eh bien, il se met au même rang qu'un bonhomme qui va mais, sur, tu sais, sur, moi, moi, sur mais la minute, plus hein. belle plage du Brésil et qui a il se met au même rang que le type du... Ah, mais ouais. Je suis d'accord, et, là. Mais on le possède, mon vieux. Et on fait tout doucement, sans que tu t'en rends compte, un petit nivellement par la base. Tout doucement, comme ça. Chut, et ça part. Et c'est fait. Alors on dit, oh, mais moi, ben, je suis aussi heureux qu'on assiste puisque j'ai ça et ça et ça. Mais allez, regarde, c'est pas un yacht ici. Est-ce qu'un yacht est plus spacieux? Il y a peut-être d'autres fauteuils, d'autres rideaux, d'autres murs. Mais on le croit. Et on finit par le quoi, ça qui est moche. D'autres murs, c'est pas mal. On t'endort tout doucement, quoi. La tapisserie, la tapisserie n'est pas vrai, mal. Hein? D'accord. Ah, ça, c'est une véritable imitation de gobelins, ça. De faux gobelins, pardon.
C'est un peu ça. Hein. Ah, bah, mais enfin, disons que les gens qui ont arrangé, ça n'ont pas mal arrangé. Je ne dirais pas que c'est. Mais oui, mais tout le monde fait. Oui, mais écoute, ou bien dans la vie, oui, mais moi je suis pas contre son événement par la base, comme tu l'expliques enfin. Si chacun y trouve son compte et son bonheur, mais je crois pas, hein. Je crois pas. Tout le monde est dupé, justement. Mais quand je pense à un type qui se trouve ici et qui m'a l'air, je dis qu'il m'a l'air, réellement heureux, ou bien il me dupe, ou bien il est heureux. Alors s'il me dupe, c'est un imbécile. S'il est heureux, eh bien, pourquoi il ne pourrait pas être heureux? Et s'il est heureux avec peu de choses et qu'il n'a pas besoin de ce que les autres ont, eh bien, alors c'est parfait. On peut être heureux avec peu de choses, mais il ne faut pas être heureux avec des petites choses préfabriquées, enfin. Je ne pourrais pas être heureux en plastique, moi. Non, mais oui, je comprends. Tu comprends? Oh, moi, je ne sais pas, pourquoi pas? Même un verre d'eau d'une source, je préfère de le boire sur ma main que de le boire dans un verre en plastique. Mais ça, je suis d'accord. Mais c'est ça. Mais en fait, mais oui, mais ça, c'est ton point de vue. Je viens de te promener ici, je n'ai vu que des petites fleurs en plastique, des petits chalets, des petits trucs, de rien. Enfin, ça me fait mal, quoi. Mais oui, mais ça te fait mal parce que tu as une âme d'artiste. Et je suis d'accord, pour moi, personnellement, ça me fait mal aussi. Ça te fait mal aussi. Ça me fait mal. Mais ce qui ne m'empêche pas de comprendre que pour les autres, ça peut être le bonheur. Peut-être. Attention. Grand point d'interrogation. Ah, grand point d'interrogation. Et je crois honnêtement que c'est la société qui leur font croire que c'est le bonheur. Hein. C'est malheureux. Oui, mais... Mais je trouve que la société serait bonne si vraiment c'était le bonheur. Hein. Un véritable sentiment vient de toi-même. Hein. Oui, mais ce type qui est dans cette baraque ici, il a peut-être le sentiment d'être heureux. Je ne pourrais pas avoir son sentiment, mais je le crois. Moi, je ne le crois pas. Quand Le Corbusier a construit ce qu'on a appelé la maison des fadas à Marseille, tout le monde se moquait de lui. Lui vivait dans une espèce de hutte. Mais il vivait dans sa petite hutte tout seul. Isolé de tout, dans le sable, avec l'eau devant. Tu te retrouves ici, hein? Non, non, ici, il y a une... Bah, si tu retrouves des baraquements, tu viens de vivre tout seul. Mais on ne vit pas tout seul. Seul avec 100 soldats. Ça, c'est autre chose, ça. Tu comprends, le coup? T'es d'accord ou pas? Non, je suis pas d'accord, mais... Mais pourquoi n'es-tu pas d'accord? Parce que dans le fond, nous sommes d'accord. Mais oui, dans le fond... On pense tous les deux la même chose. D'accord. Mais on l'exprime chacun d'une façon différente. Mais toi et moi, on le dit. Mais alors, tu vois tous les autres gens. Ils le disent tous, non. Mais on ne le dit pas. On ne dit jamais qu'il pleut à la mer hein, quand on vient à Bruxelles amoureux. Hein? Bah, c'est comme ça. Moi, j'ose dire ce que... Mais quand je reviens ce week-end, je dirais qu'il a fait un peu effet. Mais la plupart pourquoi des pas. Gens disent... Mais il y a eu de larges éclaircies, il y a eu... Allez, tu le sais bien. Oui, 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 bien allez. Sûr. Comment veux-tu lutter contre ça? Parce que moi, je désire lutter contre ça. Eh bien, tu vas t'asseoir un jour tout seul sur un rocher et tu regardes la mer ou tu regardes le bois. Non, mais je ne sais pas m'asseoir à leur place. Chut! Bah, ils s'asseyeront aussi. Ils feront ça aussi. Voir s'ils dorment. Moi, je vais voir les garçons, tu regardes les filles. Je vais voir si mes gosses dorment. Tu permets une seconde? J'ai l'impression qu'ils dorment bien, voilà. Je vais donner un coup de lumière de nuit. Oui, ils dorment. Ils sont braves, hein? Ils pensent à ce que t'as dit. Nous avons pu faire. Ils ne pensent pas. Tu crois qu'ils ne pensent pas. Mais c'est vrai, c'est ce que tu dis, tu as raison. Ils sont gentils. Et cependant, moi je désire lutter contre ce système. Il n'y a rien à faire. Moi je désire lutter contre ça. Mais. Attends. Mais non, tu. Je suis bien content de vous avoir rencontré. Mais moi aussi, parce que. Vous avez une vue de la vie. Moi je suis venu ici un peu comme une mouette qui vient. Oui, mais non, c'est très sympathique. De manière un peu sauvage. Puis vous me faites entrer chez vous, et j'assiste à tout ça. Eh bien, c'est bien. Ben, je crois qu'on ne doit rien cacher de nous-mêmes. Et c'est une façon sympathique. Et ce week-end raté, si vous voulez... Les ratés en partie, a tout de même permis quelque chose. C'est que
les hommes se sont rencontrés, quoi. C'est sûr. Peut-être, enfin. Allez. Ils sont partis. Hein? Ben oui, mais hein? Demain, on peut se revoir, hein. Tu ne vas pas m'en vouloir, hein. Moi, non, je t'en veux pas. Allez, viens. Non, ne dérange pas, tiens. Tu vas pas me déranger, oui, non. Hein? Ah, non. Allez, tiens. Voilà. Enfin, on a passé une excellente soirée ensemble. Ah, une bonne soirée. Oui. Il y a de bonnes rencontres, quand même, dans la vie. Allez. 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 Raymond, voir, hein. On se reverra à Bruxelles, hein. Sûrement. Il fallait venir à Blankenberg pour se rencontrer. Pour se voir et pour parler de certaines choses. C'est juste. Non, mais moi, je désire te revoir. Allez. Fieu, voilà. Salut, hein. Allez. Salut, hein. On peut dire au revoir à ma femme, aussi, tu sais. Ah. Bien sûr. Ouais, mais tu seras comme ça. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous rencontrer. Ça va, là. Comme mon mari. Mon Dieu, je me retourne, allez. Parce que... Allez, va. Allez, vraiment. Ciao, allez. Ça m'a bien plu ici. Non, c'est vrai, c'est chouette. Ah, moi, j'ai beaucoup appris ce soir. Allez, ciao. Hein. Salut, Andy. Ouais. Ça va aller pour retourner. Ouais, ouais. Trouveras ton chemin. Mais trouve bien. Allez. Allez. Ouais. Salut, Andy. Ouais. Ferme la lumière, chérie. Oui, j'arrive, chérie. Voilà. Et maintenant, il est tard. Oui, il est tard, je sais bien. Attends, ma minouche. J'y suis. Voilà. Pas trop fatigué? Non, ça va, et toi? Oui, fatigué tout de même. Oui. La route, tout ça. Il est chouette, le Raymond. Hein? Oui. Il est gentil. Hein? C'est un type sympathique. Hein? Oui. Tu as commandé des sandwichs? J'ai commandé des sandwichs, mon chat. 10, ça fait. Oui. Hein, il y aura assez. Hein? Oui. Les gosses vont en manger 1,5. Oui. Nous autres, le reste. Oui. Hein? Pourvu qu'ils ne nous aimaient pas trop tôt demain matin. Qu'est-ce que... oui, il faudrait qu'ils réveillent. Enfin, ils sont gentils pour ça. Oui. Ah, chaton. Oui. Voilà. Après toi. Viens, je vais près de toi. T'auras plus chaud. Ça t'est bien? Hein? Ah, bien, on pousse un peu plus haut, là. Voilà. De ceux qui vont aussi vite que nous, hein, en définitive. Et avec un petit bébé et tout dans le bazar. T'es dur, chérie, ça y est. Un accident, hier. Regarde le monde qu'il y a sur le pont, il y a sûrement un accident, ça doit être grave. Hein. Tu crois? Oui, j'ai l'impression. Encore un type qui n'a pas de chance, tiens, ça. Encore un malheureux. Oui, regarde-le, oui, tout le monde, regarde, il y a même des voitures de l'autre côté qui sont bloquées et tout. Oui. Oui, il y a une petite lumière, gendarme, sûrement un boulot. Oui, ça va, je peux y aller. Je vais rester dans cette file-ci. Oh là là. Pour un qui va avoir des problèmes financiers et tout, dans un monde, peut-être. C'est gay, hein. Oh là là, regarde-moi ça, des... Comment est-ce qu'il est arrivé là, celui-là ?